moi personnellement ça a été compliqué parce que je réfléchissais beaucoup et j'étais un peu anxieux et du coup j'hésitais à faire certaines choses et là où je devais être percutant, bah, c'était moins évident pour moi. Je glissais beaucoup, je pense que vous avez vu, mais voilà, je tenais pas sur mes jambes, mais j'ai essayé, mais voilà, je pense que c'est le premier match, ça fait 2 mois que j'attends. De rythme, non, mais surtout, voilà, j'ai toujours eu du mal à contrôler quelques pulsions, donc là, en voulant bien faire, mais en essayant quand même de jouer avec l'équipe et tout, enfin, c'était compliqué. En même temps, je réfléchissais trop, mais j'aurais dû me lâcher d'un seul coup et jouer. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon, c'est pas facile. Je suis content de la victoire. Moi, personnellement, après, je sais que je peux mieux faire. Je sais que j'ai beaucoup hésité, j'ai loupé quelques tirs importants. Voilà, je sais que je peux mieux faire. Donc, je suis pas forcément satisfait, mais je suis pas déçu non plus, parce que ça aurait pu être pire. Et puis, j'ai quand même aidé en défense sur quelques trucs. J'ai quand même pris quelques petits rebonds à la fin. Voilà, je me suis montré à des moments importants. Je me suis montré efficace pour l'équipe. Donc ça va, c'est des points positifs. Après voilà, il y a des points négatifs et c'est normal, mais voilà, je vais revenir un peu plus fort ça, pour aider l'équipe. C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'expérience, qui sait mieux jouer au basket que nous. C'est une évidence. Et si on joue à leur rythme, en les suivant comme ça, etc., on n'avait aucune chance. Surtout avec le manque d'adresse derrière cumulé, donc manque d'adresse et puis pas d'impact défensif. Et en deuxième mi-temps, dès qu'on a été, voilà, c'était surtout ça le message au vestiaire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas les laisser jouer. Et voilà, on a été beaucoup plus sérieux défensivement en deuxième mi-temps, on a fait moins d'erreurs. Et puis après, voilà, dès qu'on a retrouvé un petit peu d'adresse sur les postes extérieurs et puis du jeu intérieur avec Joe au début du troisième, voilà, on a réussi à creuser l'écart. Quand on joue une équipe comme Aix qui a beaucoup de qualité, pas oublier qu'ils ont battu aussi Bourg à la maison, qu'ils ont fait qu'ils nous avaient bien dominé au match aller. On ne peut pas penser qu'on va dominer le match. Donc il faudrait qu'on se mette peut-être un petit peu plus, pas d'inquiétude, mais voilà, de la concentration et puis d'avoir un socle défensif très dur. Après, en deuxième mi-temps, on n'encaisse pas beaucoup de points. Voilà, puis à la fin, on perd le goal, enfin, on perd pas le goal average, on reste à égalité avec eux au VRH, alors qu'on est à plus 18, et on va perdre 3 ballons. C'est notre défaut de jeunesse. Donc, par contre, voilà, on a des défauts. Mais là où on doit être présent, c'est dans l'investissement, dans l'intensité, dans les courses, parce qu'on est jeune. Et ça, on ne l'a pas assez vu en première mi-temps. Donc, voilà, c'est un axe de travail. C'est un axe de travail, mais bon, comme toujours, ils sont volontaires. Et ils ont bien su rebondir en deuxième mi-temps.